La cote de popularité de Kate Middleton et du prince William est en baisse. Elle est de 50% pour la princesse de Galles et de 49% pour le futur héritier de la couronne, selon le sondage YouGov publié par le journal New Zealand Herald. Or, il y a quelques semaines, elle s'élevait respectivement à 66% et 65%. La chute de Kate Middleton et William dans les sondages, il demeure évidemment dans les personnalités les plus appréciées de la couronne, devant la reine consort Camilla. Cependant, il s'agit tout de même des chiffres les plus bas jamais enregistrés pour ce duo depuis le début des sondages en 2011. Bien que la monarchie royale, confrontée à diverses critiques, est de manière générale en perte de popularité, les attaques du prince Harry et de Meghan Markle sont certainement en partie responsables de ce désamour des Britanniques pour Kate Middleton et son mari William. Kate Middleton, William, Meghan Markle et Harry @libre. Des accusations explosives entre la série documentaire Harry et Meghan, sortie sur Netflix en décembre 2022, et leur interview choc face à Oprah Winfrey, l'image de Kate Middleton et du William avait déjà été beaucoup ternie. Mais les mémoires d'Harry leur donnent le coup de grâce. Le prince Harry affirme notamment que son frère William et Kate Middleton l'ont encouragé à porter le costume nazi ayant fait polémique en 2005. Il dépeint le couple comme hostile à Meghan Markle, jusqu'à la pousser à pleurer. Il n'est donc pas étonnant de voir la popularité de Kate Middleton et du prince William perdre de son lustre. D'autant plus qu'ils n'ont pas la possibilité de répondre aux multiples accusations du duc et de la duchesse de Sussex. En effet, la famille royale reste fidèle à sa devise, ne jamais se plaindre, ne jamais se défendre jusqu'à que les choses s'apaisent d'elles-mêmes. Le calme n'est toutefois pas prêt de revenir pour le moment, au regard des dernières révélations du prince Harry.